Just shut the motherfucker. Eh bien, salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Dead Space 2. Et on entame ensemble notre épisode 5 de ce Let's Play absolument... absolument génial, j'allais dire, mais bon, là, je crois savoir ce qui m'attend et je suis moyen fan. Avant de m'engager là-dedans, petit rappel scénaristique, nous essayons de retrouver Daina, la fille qui nous a aidé à sortir de... l'aile médicale, en passant par différentes... voilà, c'est pour ça que je savais que j'aurais dû attendre. Oh putain de merde. Ça commence fort, hein. Normal. Ok. C'est pas fini. C'est pas fini, ça continue, encore un vomito. Oh purée, une chauve-souris qui m'attaque. Eh bah dis donc, ça commence fort là. Quarantaine levée, ok. Donc... comme je disais, nous essayons de retrouver Daina, la femme qui nous a aidé à sortir de l'aile médicale, en traversant différentes épreuves, toujours à bord de la Méduse, cette station qui ressemble plus à une ville qu'autre chose. Alors, javelot, ça on s'en fout, c'est des munitions. Ça, c'est en plein pour des munitions. Cette station qui gravite autour de Titan, une des lunes de Saturne. Et nous sommes toujours en présence de Nécromorphes. Puisque nous avons appris dernièrement qu'il y a une copie du monolithe qui a été construite à bord de Titan. Enfin, à bord de la Méduse, pour être exact, plutôt. Vous pensez qu'il y a un chat là-dedans? Non, je sais pas. Voilà. Et c'est bien par là qu'il faut que nous allions. Je regarde juste d'abord si j'ai assez de vie sur moi. On va se permettre de griller un kit de soins. De toute façon, au pire, je peux en acheter. Ok. Ah tiens, ça j'avais jamais écouté. Alors, ça c'est le deuxième, on va écouter le premier d'abord. La divine découverte. Donc ce que j'avais déjà avancé dans les épisodes précédents, à savoir que le monolithe ce serait le véritable monolithe ce serait écrasé sur Terre et aurait causé la fin des dinosaures, vient de se confirmer puisque Chicxulub est le nom du cratère causé par la météorite, par le météore qui s'est écrasé sur Terre il y a 65 millions d'années, causant supposément la fin des dinosaures. Donc ce que je vous disais, sauf que je m'étais trompé, j'avais dit que Altman était, avait mystérieusement disparu, en fait il a été assassiné, et ainsi il est devenu le martyr donc, de la religion, ce qui a provoqué un vent de sympathie envers cette façon de penser. Donc ça c'est ce que je disais. À savoir l'unitologie qui devient la religion. Voilà. Ok. Donc là, c'est ce que je vous disais, à savoir que la religion principale, omniprésente, c'est l'Église. Selon les préceptes fondateurs.
Donc, évidemment, nous allons arriver dans l'église. Mais avant ça... Voilà, donc selon eux, le monolithe serait le moyen d'évoluer vers la grande convergence, comme ils appellent. Serait l'évolution ultime. Ok. On se grouille. Et on enchaîne donc le chapitre 4 de ce let's play. Tideman ne surveille pas sur tout temps. L'église est séparée de l'État. Non, Dana, on ne devrait pas. C'est le dernier endroit où je voudrais aller. Isaac, mon frère s'est sacrifié pour vous sauver. C'est très important. Ça doit marcher. Je suis dans une salle en haut de l'église. Venez là, ok? Bienvenue dans l'église d'unitologie de Titan. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre sanctuaire. Nos guides sont là pour vous montrer les lumières. Bon. Bla 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 bla. Y a quelques trucs que je voulais dire également. À savoir que là en ce moment je suis en période d'examen en fait. Il me reste un examen la semaine prochaine. Enfin là cette semaine vu que là je suis en train d'enregistrer, on est à l'aube du week-end. Et il me reste un examen à passer cette semaine avant d'être enfin libre et de commencer le second semestre. C'est pour ça qu'en fait là, je vais prendre de l'avance, je vais enregistrer les deux épisodes à la suite les uns des autres. Comme je fais en fait toujours, mais là je vais enchaîner en plus, je pense, avec l'enregistrement de prototypes. Pareil, les épisodes 5 et 6, hein, puisqu'on est toujours à l'épisode 4 de prototypes au moment où j'enregistre et où vous regardez d'ailleurs cette vidéo. Donc, j'ai deux points de force, ce qui veut dire que je peux en utiliser un. Et on va griller un point de force pour la vitesse. Je crois que ça va être la vitesse de rechargement. Non, c'est la cadence de tir, je sais pas. Bref, la vitesse. Hop là. Donc le monolithe. Le cutter plasma a été upgradé, c'est cool. On est à 7 minutes 30 de jeu. Soit. Oui, je peux acheter maintenant l'arme d'assaut, mais ça ne me sert à rien. Je peux acheter les points de force également, mais tout de suite là. Je m'en fous. On va d'abord vendre ceci. Ce qui nous a rapporté au total 5000 crédits. Ma foi, ça peut être utile toujours, on sait jamais. Ok, donc on va continuer l'exploration de l'église unitologique qui, rappelons-le, est... C'était quoi ce bruit? C'est pas normal, là. Et l'une des plus belles du système solaire, mais bon... Soit. Ah mais attendez, il y avait un truc là-bas que j'ai pas regardé. Ça se trouve, il y a un point de force. Ah, l'ambiance de ce jeu est absolument génialissime. Elle me fait stresser un minimum, mais c'est bon ça. Message, on prend, mais on ne le lit pas. On n'a pas le temps pour ça. Comme j'avais dit, là déjà en plus j'ai fait une grosse pause pour écouter l'histoire de l'unitologie. Mais je trouve que c'est nécessaire pour le scénario. Alors que les messages ne sont pas forcément nécessaires pour le scénario, sachant que ce sont des trucs que je peux apporter... Que je peux apporter assez. Enfin, avec une narration personnelle, quoi. Donc, comme toujours, on démembre les cadavres que l'on rencontre, même s'ils sont pas transformés, histoire que s'ils se transforment, ils ne nous fassent pas chier, ou qu'ils ne puissent carrément plus se transformer. Allez, c'est parti. C'est une transmission, là on l'écoute par contre. Ok. Bon, visiblement, tout le monde n'est pas pour l'unitologie. Ouh, je me rappelle, faut que je me grouille. Faut vraiment que je me grouille. Il faut que je me grouille parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres en bas. Ok, il est où? Oh putain, je suis pas seul en plus. Ah bah tiens, ça c'est un croyant.
Ok, là je grille des munitions, mais en même temps... Ok, il y en a d'autres qui arrivent, génial. D'autres volontaires? Moi je suis bon, je suis partant là. C'est quand vous voulez les mecs. Bon, bah maintenant que j'ai fait le ménage, on va récupérer ce qu'il y a à récupérer, à savoir les munitions, parce que j'en ai grillé quand même pas mal, faut dire ce qui est. Et en haut, je crois que je suis passé à côté d'un pack de munitions, mais on va regarder, on va vérifier. Visiblement non, donc on redescend. Ouf, un vomito. Oula, mais il y en a d'autres là, mais j'avais pas fait gaffe ça. Ok. Eh ben dis donc, je grille des munitions là. Voyons voir, niveau munitions. Et il me reste 75 balles. Ça va être chaud patate. Des crédits, ouais. Il est où le dernier que j'ai pas. Il est là. Ouais, de la stase. J'ai déjà une réserve de stase sur moi, donc c'est pas forcément utile. J'en ai déjà même deux. Ah, mais je peux les paquer ceux-là par 3, c'est vrai. Contrairement à dans Dead Space 1 où on pouvait pas les paquer. Que j'ai réussi, ouais, c'est bon. J'ai les 3, ils prennent qu'une seule place. Et on avance gentiment. Hop là. Let's go. Ouais, visiblement il y a encore d'autres créatures, mais on va pas se faire chier à tous les tuer. On a 12 minutes de jeu à peine, c'est une bonne chose. Donc faut que j'aille par là, résultat je vais regarder un petit peu les autres endroits. Genre ici. Je crois que c'est juste un checkpoint ça. Oui, c'est un checkpoint, c'est ça. Donc on continue par là-bas. Ouais, je me rappelle très bien ça. Ok. Donc, évidemment, quand il y a une grande baie vitrée comme ça, ça veut dire que ça va péter et que je vais me faire aspirer dehors. Mais bon. Hein, c'est pas pour tout de suite. Ok. Ah oui, je suis par contre... ça, je peux le déposer. Hein. J'ai pas besoin de trop. Crédit. Alors, oui, on va avoir un message. Comme d'habitude, on le lit pas. Donc oui, ce que je disais, c'est tout à l'heure, les... j'ai pris une pause pour pouvoir... Hop. Alors, faut que je fasse quoi là, en fait? Centre d'observation. Ouais, sauf que je peux pas sortir là, comme ça. Hop, on prend ça et on va le caler ici. Ce qui veut dire que là je peux sortir. Allez, dégagez tout le monde. Voilà. Tout à l'heure j'ai pris le temps en fait de lire le. Enfin de faire passer le truc de l'église. Ouais, évidemment, hein. Mieux comme ça. Donc toujours les visions d'Isaac, qui sont toujours aussi agréables, charmantes. Donc oui, j'ai pris le temps en fait d'écouter en fait les trucs de l'église tout à l'heure, parce que moi c'est quelque chose que j'avais jamais encore écouté, parce que j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des trucs ici, comme quoi même en refaisant plusieurs fois le jeu on peut louper des choses. Il est passé où ça, on s'en fout. Et également un truc que je voulais, tenue de sécurité, ça je prends, un truc que je voulais dire également, c'est que j'ai augmenté légèrement le son du jeu parce que je me suis aperçu que le son de ma voix était un petit peu trop... Enfin, le son du jeu était pas assez puissant, en fait. Par rapport... Enfin, dans les épisodes précédents. Et je voulais rectifier ça, en fait. Je voulais rectifier le tir. Donc, résultat, j'ai légèrement augmenté le son du jeu. J'espère que ça passera, quand même. Mais bon. Ok, carrément.
Quand je vous disais que les visions étaient devenues carrément agressives, c'est pas des conneries. Donc là, en fait, un des plus grands dangers, ce ne sont plus les nécromorphes, mais c'est bien Isaac lui-même. Il n'y a rien d'autre à récupérer, là, si. Ok, on continue. Et là encore, ce n'est rien. Parce que je peux vous... Enfin, vous pouvez me croire, je peux vous l'assurer. Ça va être assez rock'n'roll par la suite. Faut que je passe par là-bas. Ouais, ouais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Objectif, voilà. Oui, parce que j'ai la molette qui déconne un tout petit peu, résultat. Oh putain, je me rappelle de ça. Alors ça, ce que j'appelle les raptors. C'est un truc personnel. Mais c'est des ennemis qui me font méchamment bader. Dans le sens où ils sont extrêmement, extrêmement rapides. Et j'espère que j'aurai assez de temps par rapport au timing, parce qu'on est déjà à 16 minutes et qu'il me faut un point de sauvegarde rapides. Et dans le doute, on va utiliser un mini kit de soin. Parce que là, je peux vous assurer que c'est certainement les ennemis que j'aime le moins dans ce jeu. Alors, je vous conseille fortement, vivement, mais si je pouvais vous l'imposer, je le ferais, de mettre la vidéo en 720p, les écouteurs sur les oreilles et de vous plonger dans le noir comme je le suis actuellement. Parce que cette scène-là, je peux vous assurer que vous allez... Elle vaut le détour. Ouais. Oui, on n'est pas tout seul là. Le problème c'est que toutes les portes, ça veut dire également celles qui sont là. Et là, j'aime pas spécialement. Vous les entendez là? Si vous avez eu des écouteurs, vous les entendez. Écouteurs, casque, ce que vous voulez. Il est là. Oh putain, l'enculé de sa race maudite. Vous voulez jouer? On va jouer les mecs. Ça me va moi. Quand je vous disais des raptors, c'est pas des conneries. Allez, venez, venez. Je sais que vous avez envie de venir. Je sais que vous avez envie de venir. Allez. Putain. Ils peuvent venir de n'importe où. Alors là, je les titille un petit peu, mais quand ils chargent, je peux vous assurer que c'est pas génial. Il y en a un à droite. Je sais pas où est-ce qu'il... Il peut venir n'importe où. Ils sont dégueulasses en plus. Mais allez, bordel, bordel. Attaquez-moi. Putain. Ils peuvent vraiment venir n'importe où là, c'est... Alors je sais c'est assez long et je parle pas beaucoup, mais en même temps là c'est assez stressant. Imaginez-vous dans ma position. Hop, touché. Putain, je grille mes munitions comme un con, faut que j'arrête de tirer comme ça. Un en moins. Deux en moins. Vas-y, ramène-toi mon gars. Je t'attends. Allez les mecs, venez là. Petit petit. Il y en a encore au moins deux. Alors là franchement, je peux vous jurer que je suis pas du tout à l'aise. Merde, j'ai loupé. Pas grave, il y en a encore. Ramène-toi, ramène-toi. Allez mon coco. Viens me dire bonjour. Je t'ai vu toi. Je t'ai calmé direct. T'es là toi? Il y en a encore deux. Il y en a plus qu'un. Vas-y, ramène-toi.
Il est passé où? Il est passé où? Viens là, toi. Je t'ai vu. Eh merde, Crudy. Ça va vraiment faire mal. Putain, sa race maudite. Allez, déjà t'as un bras en moins. Mais non, sérieux, comment je fais pour louper ça? Ok. Ça me va. Évidemment, rien ne peut se passer comme prévu. Donc, on va pirater ça, trouver un point de sauvegarde et s'arrêter parce qu'on est déjà à 21 minutes de jeu. Je sais que là, ça a été particulièrement délicat. Enfin, j'ai pas beaucoup parlé, mais c'était relativement... mettez-vous à ma place quand même. C'était assez stressant comme truc. Nickel. Et je peux vous assurer que ces ennemis-là, on va les recroiser plusieurs fois. Et ça va être à peu près le même topo à chaque fois, dans le sens où moi ma technique, je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas c'est une technique que j'apprécie puisque elle est sécuritaire, enfin relativement sécuritaire. Ouh, point de force, c'est bien ça. À savoir se caler dans un coin et les attendre qu'ils nous chargent pour leur dégommer leur petite papate. Dis-moi qu'il y a un point de sauvegarde dans le coin. Ah bah il y a tout qui est devant, c'est nickel. On va pouvoir se laisser dès que je serai tombé sur le point de sauvegarde. Qui est, je ne sais pas encore où exactement. Il doit être là-dedans. Quoique, attendez, non. Ouais, faut que je passe par là plutôt. Oui, c'est là. Donc, on a fait en fait tout le tour pour rien. On a juste ouvert la porte. Et on va se laisser ici. Je ferai l'upgrade dans le prochain épisode. L'upgrade avec le point de force que j'ai récupéré, je récupérerai la tenue dans l'épisode suivant. Et en attendant, moi je vous dis, n'oubliez pas de laisser un petit like à la vidéo, ça ne prend que quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.